Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ce nouveau vlog spécial modification dans mon appartement. Après que j'ai fait, vous avez vu forcément une de mes vidéos de plusieurs parties que j'ai fait de mon logement, c'est-à-dire la salle voilà, qui est en long, j'ai fait à peu près modification tout ça. Moi, j'ai encore à faire, j'ai encore des meubles à acheter pour mettre sur la télé tout ça et quelques petites bidouillages à faire. Et aussi sur mon lampadaire, parce que j'ai le truc qui est cassé pour la nuit, donc je vous ferai voir comment faire pour réparer un lampadaire. Et aussi mon vitrine, mettre les lumières dessus, ça sera la prochaine vidéo. Oui, aujourd'hui, par contre, ça sera la modification dans ma salle de bain, qui veut dire que je vais changer ça, parce que vous voyez, le truc qui est pas terrible, vous voyez, c'est en carré, donc le truc de douche, vous voyez, comme ça, et j'ai acheté action petite. Une filtre douche stand, c'est-à-dire j'ai acheté un télescopie 80 à 135 cm à mettre en long, donc ça je vais le modifier pour vous faire voir. Et ensuite je vous ferai voir entre deux le truc de douche, voilà tout, que je vais mettre juste au fond. Voilà. Donc là avec le truc là, je vais l'enlever, je vais pas le mettre, je vais mettre plutôt le mien qui est là. Je vais peut-être changer entre deux. Et ensuite je vous ferai voir le nouveau truc. De forêt, voilà, spécial pour les trucs en céramique, hein, qui veut dire les trucs pour percer, spécial, voilà, pour faire sur les machins de diamanterie 7, voilà, c'est pour percer carrément sur les plaques en liège. Voilà tout, donc vous ferez voir ça entre deux, acheter 6,95€ chez Action. Je vous ferai voir si ça fonctionne bien, comme ça je vous donne des idées pour faire aussi du bricolage avec cet appareil-là, enfin l'équipement, voilà, avec une perceuse que je vous ferai voir après. Donc tout de suite, je vais attaquer carrément la modification du rideau. A de suite hein, pour des démonstrations simplifiées du petit bricolage. A de suite. Donc, allons-y pour une démonstration. Donc, je vais commencer pour enlever ça. Pour accéder à cette partie-là, parce que j'ai mis du scotch, est-ce que ça ne tenait pas? Donc ça va l'enlever. Dépend de ce qu'il faut, je vous dis tout ça, on va modifier le truc. Donc je vais voir pour ça, donc je viens tout de suite hein, pour couper ça et puis voir pour le reste. A tout de suite. Donc là, les outils qui sont là. Voilà, les outils qui sont là. Et la perceuse, voilà, pour percer sur les carreaux. Donc, allons-y. C'est comme ça, voilà, un tout autre scotch, mais du moins j'ai pas de blanc.
coup. Comme ceci. Ça, pareil. Voilà. Ça se met ça. Ok, on peut faire ton œil par rapport à ça, donc avant ce sont les questions. Comment on le faire? Donc, voilà. Voilà, donc ça là, mon problème, je vais voir si je peux plus l'intégrer là-dessus. Donc je vais modifier un peu ça, donc je vais voir comment je vais faire. Alors, comme ça, voilà. Un peu de modification. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça va laisser. Ok, donc à peu près comme ça, voilà. Hop. Modifier ça, voilà. Comme ceci. C'est pas encore assez large, mais bon. Comme ça. Comme ça, c'est parfait. Là, le machin est trop loin. Je vais le mettre très directement. Donc. Ce que j'allais faire, ça fait l'enlever et le mettre un peu plus loin. Comme ça, un peu loin. Donc. Bien mis. Voilà, on peut mettre ça un peu plus loin. On peut le voir à peu près. Là. Juste là. Un peu comme ça. Pas comme ça. Comme ça. À peu près. C'est terminé là. Voilà, comme ça. Faut pas non plus que ça soit trop écarté. Mais juste comme ça. Voilà. À peu près comme ça. Voilà.
Donc, c'est à peu près là. Voilà. Donc, vers un nez, ce qu'il faut pour le faire, donc, vers un nez, un stylo, un feutre, plus les joints pour presser, puis on va pour la suite. A tout de suite, pour la suite de la vidéo. Donc, il faudra 3 joints et les 3 vis, voilà, pour visser. Pour mettre directement là-haut. Les 3 vis sont là, puis il y a là. Voilà. Ouf. Ah oui. On va dire le pelage. Et puis, il est partout, au bout de la perceuse. Voilà. C'est un peu long. Donc, on verra ce qu'il faut et après les percer puis faire ce qu'il faut. Voilà. Tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas percer, pour une petite mèche comme ça, hein, de à peu près de 4 mm, mettre ça naturellement. Un petit truc. Voilà. Et ensuite, je l'ai percé. J'espère que jusqu'à au bout, on va rester là. Pas facile, ça tombe. Donc on va passer, donc je vais repasser un peu plus. Voilà, donc normalement ça devrait le faire. Normalement, donc. Voilà. Voilà, c'est bon.
Ensuite, on va mettre carrément les restes. 5 éléments, alors. 10. Si. Voilà, comme ça. Et ensuite, un coup de perçage. Bon. Je vais voir si on peut faire ça là. Bon, ben c'est comme ça qu'on met, on va voir. On va tenir. Ça se fait rapport. Voilà. Donc, ensuite, on va faire ça. Selon la taille, on va tailler bonne. Ensuite, on va le lever. Et ça, le faire dessus, comme ça. Voilà. Voilà. Ça, on va le mettre là, comme ceci, comme cela. Voilà. Bon, ça c'est pas facile à faire. On va voir un peu. Ça va bien les choses. Voilà. Bon. Ok. Ça va mettre plus haut comme ça. Et ça, on va percer directement. Donc, percer. On met un petit nœud. Je vais mettre un coup de scotch. Bon, le scotch, il est faux. Il est là. Hop. Ça. Les scotcher. On va tirer un peu. Hop. On va lui faire autrement. Juste pour l'intendant. Il est provisoire. Voilà. Voilà. Des trucs comme ça, je le rachèterai. Tout comme ça, là, je le rachèterai. Je le déchirerai. Et ensuite, prendre le stylo. Avec le feutre. Ça feutre. Et modifier ça. Comme ça. Percer juste là.
ça peut tomber. Voilà. Ça ne sent pas scotché. Je scotche après. Alors, commencer avec ce que j'ai fait, le petit perçage là, la qualité qui est là avec le perçage. Voilà. Ensuite, ça va mettre là, donc on va montrer. C'est un peu trop court. Et celui-là, on va le mettre celui-là. Comme ceci. Voilà. Parfait. Hop. Ça peut même si le scotch ne tient pas. On fait toujours quand même. Bon, il y a du provisoire, hein. On va changer. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Maintenant, c'est là-dessus. Voilà. Ok. Et maintenant, mettre le divan. Voilà. Comme ceci. Hop. Il faut bien d'équerre. Donc, après mettre le deuxième. Comme ceci. Voilà, donc c'était avant, non, ce qu'on a après, c'est ça. Voilà. Bon, vous voyez, hein, ça fait un peu plus grand. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu plus grand par rapport à ce que j'ai fait avant. Et c'est un peu plus grand, vous pouvez voir ça. Et hop. Voilà, vous voyez, ça fait. Bon, ça va le changer, hein, genre un autre truc comme ça, de support pour le tenir. Donc voilà. Donc voilà, donc ça fait un peu plus long, voilà.
Donc là, le truc qui est au fond là de tout là, voyez ça là, le boucher avec du plâtre. Voilà. Hop. Vous voyez, avec du plâtre. Voilà. Simplement, je boucherai ça du plâtre. Et là, il ne manque plus qu'à mettre le machin à bouche. Voilà. Que j'ai acheté chez Eco truc clair, donc allons-y pour la suite de la vidéo. Pour la suite quoi, la vidéo. Hop. Alors, donc voici maintenant mettre ces trucs à bouche. Voilà, donc à tout de suite. Pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc pour la suite, je vais mettre maintenant c'est ça. On va mettre le truc à bouche. Ensuite, on va essayer de monter. On va monter, il faut voir comment je vais faire. Pour suivre la vidéo. Ensuite, l'ensemble de bouche. Je vais mettre les bâtons par-dessus. Et je vais jusqu'à là. Je vais enlever quand même le truc dessus. On va monter ça. Comme ceci. Comme la bonne taille. Donc ensuite, le bloc c'est là, donc pour ça, nous prenons un stylo. L'appareil là, tu déplaçage pour carrelage, il faillance dans ce carrelage. Donc, je vais faire selon le trou, selon la perceuse, selon la taille de la perceuse. Donc, voyez, la taille est bonne. Ensuite, je vais, hop, comme ça, là, ceci, et incliner. Faut bien percer. C'est la grosse perceuse, hein. C'est du mieux. Oui. Comment ça le fait directement? Bon, je vais tout percer. Oh.
ensuite mettre les joints dessus, directement, plus simple, là, comme là, pour le faire un tout petit peu plus, c'est pas encore percé comme il faut. C'est mieux. Pas trop percé, je perce un peu plus. Bon, c'est vrai que le fil qui est là, bon, c'est vrai, c'est un peu long, mais je sais pas, je défile un peu plus petit par rapport à là, vous pouvez voir ça. Donc voilà, ça fait plus mieux, voilà, dans les douches, ça serait bien, tout simplement. Voilà, avec le des douches, vous voyez, j'ai mis là, donc là, il n'y a plus qu'à mettre l'autre côté, ben, tout ça s'arrêtera juste là, mais il y en a juste un autre, justement, vous voyez, hein. Alors, tout simplement, voilà, comme on sait. Voilà, à peu près petit bricolage, ouais, tout simplement petit bricolage que j'ai fait. Hein. Voilà. Tout simplement, vous voyez. Voilà, voilà. Donc j'ai tout de suite tout à faire. À tout de suite. Donc voilà mes amis, hein, ce vlog est bientôt fini. Donc pour vous refaire encore une fois la modification que j'ai fait de ma salle de bain, voilà, j'ai mis le truc de douche, on s'est mis pour prendre la douche, voilà. Et pareil pour le truc là, un rideau, le support rideau, voilà, j'ai mis en carré blanc, j'ai mis en long, là tout, donc en plus grand, voilà, ça peut plus mieux, mais bon, pour la main c'est bien aussi. Voilà, tout est modifié, voilà, tout, bon, il ne manque plus qu'à laver l'interrupteur à air
et aussi quelques modifications du côté de directement vous faire voir ça directement. La souris là-haut, je vais encore faire ça. Voilà. Et aussi quelques trucs à faire. Vous voyez, là-haut, pareil, je vais mettre ça entre deux. Et je vais mettre ça, voilà, par-dessus. Bon, ça va se faire, hein, voilà, les prochains jours. Voilà, ça fasse moins, pas dégueulasse, mais plus correct, voilà, plus mieux. Voilà tout. Donc, si vous avez aimé ce vlog, bah, envoyez-moi des commentaires. Hein, si vous avez aimé, si vous avez plus de renseignements, si vous avez aimé, si vous avez apprécié, si vous voulez faire pareil, faites pareil. Voilà, si vous n'avez pas de toucher, vous avez seulement un truc comme ça, si vous voulez mettre un machin que j'ai mis, bah, faites-le. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de liker sur le pouce j'aime si ce n'est pas encore fait, vous avez aimé, voilà. Et surtout, abonnez-vous sur ma chaîne, hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais merci pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, hein, et puis pour me soutenir et m'encourager. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous, le tout. Et sur ce, je vous dis à très vite, hein. Ah, pour finir aussi, vous aurez aussi les informations du truc à douche, plus l'appareil que j'ai acheté pour percer sur les carrelages. Voilà, au lieu de dire faïence, c'est carrelage. Voilà, c'est mieux. Donc, je vous ferai voir ça en bas description, en bas, dans l'info. Donc, sur ce, je vous dis à très vite. Voilà, pour d'autres vidéos. Bientôt, une vidéo pour la spéciale Saint-Valentin, pour ma chérie Katia. Voilà, Saint-Valentin. Que ça commence le 14 février. Voilà, soit c'est un samedi ou un jeudi. Enfin, je crois que c'est tout courant février. Voilà. Et après aussi un chandeleur, bientôt aussi pour les crêpes. Enfin, aussi spécial crêpe pour un truc que j'ai acheté chez Action. Entre celui que j'ai acheté chez Action, un peu mieux fait que les gâteaux que j'ai fait avant. Bon, ça va, c'est pas terrible. J'ai fait un truc chez Action. Les gâteaux que j'ai fait plus. Plutôt les gâteaux crêpes, hein, les crêpes que j'ai faites plus. Les crêpes que je vais faire simplement. Voilà, il y aura deux choses en même temps, donc différentes. On verra à peu près où je vais faire. Et aussi d'autres vidéos comme ma vitrine, je vais faire aussi avec les lumières, voilà. Et aussi mon lampadaire et d'autres vidéos, dessins, tout ça, dans les prochains jours à venir. Voilà, donc je vous dis à très vite. Je vous passe un des bons fins de journée. Et puis à très vite. Bisous à vous. Je vous embrasse. Et regardez mes vidéos. Ces vidéos de Nico. Voilà. Bisous. Au revoir.